C'est mardi 28 juillet 2020 qu'est né au zoo de la Teste de Buch un girafon et nous avons eu le privilège de le rencontrer. On vous emmène. Élodie Trunet, bonjour et merci de nous accueillir au zoo de la Teste. Vous êtes la vétérinaire en charge de tout le parc. Mais en l'occurrence, il y a un événement marquant, il y a 2 jours, est né ce petit girafon. Et oui, donc on a la première petite girafe du zoo qui est née il y a 2 jours, donc c'est une petite femelle. Ouais, comment elle s'appelle ? Eh bien, pour l'instant, elle n'a pas de nom, parce qu'en fait, c'est les visiteurs et les amis du zoo sur Facebook qui vont choisir en fait le nom. D'accord. Donc, on va mettre à choisir 3 propositions. D'accord. C'est déjà en ligne, ça, sur Facebook ou non, pas encore ? Non, ça va venir là, ce week-end. Donc, guettez ça. D'accord. Alors, on la voit déjà sur pattes, elle n'a que 2 jours. C'est quelque chose d'habituel chez les girafons ? Oui, alors, chez les girafons, c'est totalement normal. Ouais. C'est-à-dire que peine quelques heures après la naissance, ils sont déjà debout. Donc la mère, en fait, les lèche, elle les stimule un peu et ils se mettent debout tout de suite. D'accord. Et donc, là, elle est parfaitement autonome, elle voit bien. Oui, hein, c'est oui, ça, oui. Elle va très bien, elle est en grande forme. Et en fait, c'est juste une girafe miniature. Ouais. Voilà. Donc, on dirait une peluche de magasin, enfin, c'est bluffant. Ouais, tellement elle est belle. Oui, elle est très belle. Elle nous après, regarde. C'est une petite girafe, elle a une taille qui est... Elle est dans les petits girafons, elle fait quand même presque 1m80, c'est-à-dire que c'est un petit entre guillemets. Girafe. Oui, entre guillemets. Alors actuellement, les visiteurs peuvent l'apercevoir des vitres qui sont en haut ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, elle est restée en fait avec sa maman pendant quelques jours, enfin 2 jours, et elle sortira demain du coup dans l'enclos, donc elle sera visible à l'extérieur à partir de demain. Donc là, je pense que les visiteurs seront au rendez-vous. Oui. Ça va être l'attraction de l'année. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet accueil. Avec plaisir. Nous sommes privilégiés. Nina, est-ce que tu as un mot à rajouter ? Ça veut dire qu'elle est contente, elle est fière de son bébé. Merci à toi.